Les effrayés de la diaspora, ça va bien ou quoi? Eh ben dis donc, c'est compliqué. J'essaye de mettre les trucs sur ma tête. C'est compliqué. J'essaye de filmer, j'espère que ça va pas tout enlever. Alors, est-ce que ça filme? Oui, ça filme. Bon. Alors, des matériels bizarres. Je sais même pas comment mettre ça. Dis donc. On va sortir avec le matos. Bon, ben j'en ai pas mis le flash. Je suis très fatigué, j'en ai pas dormi de la nuit. Je faisais des trucs et des trucs. Alors, les chiens, comment ça va? Ils sont tous excités. Regarde-moi ça. Arrête, hein. Ça suffit. Arrête, hein. Il aime pas quand je fais cette voix là, dis donc. Eh ben, je ferai cette voix. Si, ça me chante. Et si t'es pas content, c'est pareil. Parce que je fais ce que je veux. Alors, oh, ça va fermer la doudoune. Ça va, bonjour le chien. Bonjour le chien, ça va bien le chien? Oui, bonjour, bonjour. Et toi le gros, t'as peur? Bon, on s'en va bosser un peu là. On va faire des trucs de travail. Oh le gros, tu viens dire bonjour? Tu vas pas dire bonjour? Viens là, viens là, viens là. Tu t'en vas? C'est pas grave. Bon, j'espère que j'en aurai assez de l'espace de stockage. Alors, on va faire un truc, parce que j'en ai des squatteurs. Qu'arrête pas de m'embêter. Tiens, l'eau elle est glacée, dis donc. Eh ben, eh. Ça se glace l'eau. J'en ai des squatteurs qui rentraient là-dedans. Alors j'en ai trouvé un, comment dirais-je, j'en ai trouvé un couvercle de fortune. Maintenant les squatteurs ils vont là-dedans. Ils s'en vont faire des trous là-dedans. Parce qu'ils peuvent plus rentrer dans celui-ci. Ils sont plus là. C'est trop marrant. Mais en tout cas il fallait que je condamne un petit peu derrière. Bon ça c'est des bruits des oiseaux. Alors. Il fallait que je coupe le guidon là. On va faire ça tranquille. Alors, on en a besoin de ça. C'est du gaz. On en a besoin de quoi encore? On en a besoin de ça. C'est la briquette. Alors, on va couper. On va faire chauffer un couteau comme ça. Ouais, j'en avais un plus grand. Je sais pas où il est passé. On l'a perdu. Ah, ben voilà. Il faut pas se brûler. Alors, faut chauffer le couteau comme ça. On va chauffer le couteau. On va couper le guidon de la poubelle de derrière. Le guidon derrière de la poubelle, tu le vois? Alors, on fait chauffer le couteau. On en est à l'air libre. On n'en a pas trop besoin de... Comment ça s'appelle? D'un masque à gaz? Ça va y aller. Ah, ça veut dire qu'il y en a encore des squatteurs, là. Parce qu'ils sont venus faire un trou, là. Il n'y avait pas ces trous, là, avant. Il va falloir piéger là. On va y aller mettre des pièges, dis donc. Bon, on va couper. Ça va, le vent il va pas dans ma direction, c'est bien ça. Ça permet de découper tranquillement. Comme ça, la planche de bois va bien bloquer. Comme ça, même une petite souris, mes araignées, ne pourra pas rentrer. Yeah. C'est comme ça qu'on va faire. Je devais le faire depuis, je ne l'ai pas fait, dis donc. Eh ben là, je le fais. Sauf qu'il ne faut pas que je me brûle. Je suis tout habillé avec des synthétiques. Si je me brûle, je ne suis pas dans la mouise, dis donc. Là, je ne vais pas me brûler. Sinon, je vais finir même pas à l'hôpital. Je vais finir au cimetière. Je n'ai pas envie de mourir. Allez, hop. On profite que on est dans un vent contraire. On se bouge quand même le nez, dis donc. Ça va durer même pas 5 minutes. Sinon, j'en aurais pris le masque à gaz si c'était plus long. Mais là, franchement, avec le vent contraire, il n'y a pas de problème. Allez hop! Allez hop! Là voilà! Eh bien on a fini! Oh, j'ai oublié! Je vais continuer à brûler un peu.
Alors, pour faire évaporer le plastique. Quand ça fait plus de fumée, on est tranquille. Bon, c'est bon. On s'en va refroidir ça là. Ah mais dis donc, c'est vraiment glace et gel, hein. Oh là là. Ça y est, il en est refroidi. C'est bon. Bon, bah c'en est fini. C'est bien. Maintenant, je récupère ce truc. Allez hop. Je sais même pas à quoi ça peut servir, dis donc. Peut-être on pourra s'en servir, je sais pas. On met ça là tranquille. Ça, on va pouvoir le rentrer à l'intérieur. Je vais refroidir ça aussi. Donc à faire. Voilà. Comme ça, on va pas se brûler. Allez, hop. On va mettre ça là-dedans. Voilà. Et ça, on va pouvoir le remettre dessus. Voilà. Et hop, on est tranquille. Bon. Ça fait du glaçon, hein? Ah, ça gèle vraiment. C'est pas du mensonge. Ça gèle. Ah, mais dis donc, c'est le bazar ici. Il y en a de la crotte de chien. C'est vraiment le pire hiver. C'est vraiment le pire hiver. Eh oui. Regarde-moi, c'est tout dégueulasse. Tellement il pleuvait, il n'y en a que de la pluie, c'est trop dégueulasse. C'est encore un peu vert. Je vais vérifier. Parce que j'en avais fait des changements là-bas. Bon, mon bananier n'est pas mort, ça va. Là, c'est le bazar. Bon, ça brûle. C'est bien. Alors, oh, regarde-moi ça. Il a déplacé ça le chien. Pour pouvoir rentrer pour aller faire des bêtises là-bas. Va falloir que je remette ça debout, disons. Il est trop malin. Il a vu qu'il pouvait plus passer, il s'est dit, tiens, je vais mettre le bazar. Je vais passer comme ça. Il s'est dit, je passerai quand même. Va falloir que je trouve un truc pour tenir ça. Je vais prendre un seau. Je crois bien. Je vais prendre un seau. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? J'ai le dos tourné. Il se dit comment je peux rentrer sur son terrain. Et il rentre. Il est trop malin. Voilà, on va bloquer ça comme ça. Comme ça, il va croire qu'il y a un muret. Et il ne peut pas passer. Sinon, il rentre. Il fait son bazar. Déjà, j'en ai pas de chance. Il n'y a rien qui pousse. Bon. Là, ils sont un peu abîmés. J'espère qu'ils vont reprendre. Il n'y en a plus rien qui est vivant. Qu'est-ce qui se passe? Je n'oublie ma pelle ici, moi. Bon alors, je la récupère. On va pas rester là. Hein. On a encore du boulot. J'en ai de la racine par là-bas. Il va falloir que ça bosse là. J'en ai un arbre qui repousse là. Je peux pas bosser en hiver. Je vais me casser les épaules. On va pas aller se faire mal. Bon. On va sortir. On va rentrer. Puis on va sortir. Mais non, on va rentrer. Bah, c'était juste pour faire ça. Travailler un peu comme un forçat. Tu me connais déjà. Pourquoi il crie lui? Il a rien vu. Il crie quand même. Qu'est-ce qui se passe, le chien? Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème? Hein? Tu mets le bazar? Tu mets la bagarre? Bon. Bon, en tout cas,
Je vais arrêter la caméra. Je sais même pas si j'ai bien filmé tout ça. Je sais même pas comment ça marche ça. Je connais rien. Je suis pas professionnel. Alors. Oh. Bon ben, ce n'est fini. Alors les chiens. C'est pas bien. Tu viens dire un bonjour toi. Viens. Là, je t'ai déjà dit bonjour. Tu m'as dit bonjour aussi. Alors. Tu viens dire bonjour toi. Hein. Ben voilà. Faut dire bonjour. Hein. Faut dire bonjour. Toi, t'es pas content, t'es jaloux, hein. Ah oui, tu grognes, hein. Parce qu'il m'a dit bonjour, hein. T'aimes pas qu'il me dise bonjour. Allez, va là-bas. Bah, je te dis tout ça. Très bonne fin de journée. Tu peux souscrire, tu veux souscrire, tu souscris. Tu veux pas souscrire, tu souscris pas. Tu fais comme tu veux. De partager, de partage, pas partager, de partage pas. C'est toi qui vois et qui choisisse. C'est toi qui choise. Regarde-le. Il fait le bébé comme ça. Regarde-moi ça. Et toi là-bas, là, le gros. Tu me laisses aller voir le gros, toi. Sors de mon chemin. Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'empêches de passer? Va là-bas. Posto. Voilà. Ah, il est parti, hein. Tu peux rien faire, hein. Voilà, tu vas voir qui va venir. Allez, viens, Posto. Voilà. Et toi, arrête de gendre. T'as peur de ton père, hein. Parce que ton père, il dit propre à la caresse. Viens là. Viens, 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 viens. C'est pas grave, écoute pas ton père. Voilà, c'est moi qui t'écoute, t'as compris? C'est pas ton père. Hé, hey, c'est moi qui t'écoute. Voilà, c'est pas ton père, hein. C'est moi qui t'écoute, c'est pas ton père, hein. Bon, c'est bien. Et toi, t'arrêtes de râler là. J'ai le droit de le caresser, t'as compris? Assis-toi. Voilà. Tu fais pas ça, hein. C'est pas bien, hein. Allez, viens, viens prendre une caresse. T'as peur, hein? T'as peur, hein? T'as peur, hein? T'as peur de quoi? Parce que toi, tu mords ton fils, tu crois moi je vais te mordre? Moi, je mords pas les chiens. Hein. Je mords que les humains. Bon, allez, à bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Ah, je te dis à bientôt. J'ai la crèche, le téléphone.